au Festival de la Libération, dans le camp militaire, et on est avec Xavier. Bonjour, donc Xavier Boucher, donc je fais partie de l'association Alliés de Reconstitution Groupe, et notre association représente tout ce qui est force para-US durant le débarquement, ainsi que tout ce qui est maquisard, FFI, ainsi que la vie civile durant la guerre. Et vous faites quoi ? Vous avez une association, et en quoi vous contribuez à l'association ? Alors notre but, nous, c'est de pouvoir commémorer cette période, et c'est-à-dire présenter, c'est le devoir de mémoire tout d'abord, pour pas qu'on tombe dans l'oubli cette période-là, et c'est également présenter au public le matériel qui était utilisé durant la guerre par les forces américaines pour ce display-là, et pour les autres displays, la vie civile, tout ce qui est maquisard, donc les forces françaises qui étaient en France, ainsi que les forces françaises en 40, donc l'armée française en 40. Ok, et là, pourriez-vous nous présenter un peu le stand ? Ça, c'est un display qui est axé sur tout ce qui est para durant le débarquement, c'est-à-dire ceux qui ont débarqué la nuit du 5 au 6 juin 44. Donc c'est le matériel qui est utilisé soit individuellement, donc l'armement individuel, soit pour des armes collectives comme le mortier, le bazooka ou la mitrailleuse de 30. D'accord. Et ces armes, ils ont été récupérées où ? Tous au même endroit ou à différents endroits ? Alors ça, c'est une collection où durant plus de 20 ans, on essaye de retrouver du matériel. Donc soit ce sont des dons de personnes qui nous donnent du matériel qui a été récupéré juste après-guerre, parce que comme il n'y avait plus du tout de matériel, il y avait plus du tout, les gens manquaient de plein de choses, il y a eu plein de choses qui ont été récupérées. Soit ce sont des choses qui sont retrouvées dans des bourses aux armes, dans des choses comme ça. Tout le matériel qui est là est bien évidemment hors d'usage, c'est-à-dire que toutes les armes qui sont là, ce sont soit des quasi-armes, soit des armes neutralisées, en vigueur avec la législation. Soit, pour certaines, ce sont même des reproductions qui sont faites en résine, parce qu'il y en a certaines pour lesquelles on ne peut pas les avoir donc, au niveau législatif. Donc au moins, ça permet comme ça de pouvoir présenter au public tout le matériel. En même temps, l'avantage de pouvoir le faire comme ça sur un display, c'est que l'on peut... On a la possibilité de pouvoir justement, au niveau des personnes, leur faire toucher. C'est-à-dire que par rapport à un musée, parfois c'est derrière une vitrine et c'est frustrant de ne pas pouvoir se rendre compte et du poids du matériel et de pouvoir le toucher. Là, l'avantage, c'est que les personnes, on peut leur faire toucher, et aussi bien les adultes que les jeunes, leur faire toucher un petit bout de l'histoire, donc soit en leur passant un fusil pour qu'ils puissent se rendre compte du poids. Votre uniforme, c'est aussi un don ou c'est vous qui l'avez créé ? Alors, dans cet uniforme-là, il y a des choses, ce sont des pièces de reproduction, parce que c'est difficile de pouvoir trouver des pièces originales, ou alors ce sont des pièces qui peuvent avoir un certain prix, ou en même temps, ils ne seront pas forcément à ma taille. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Après, il y a des parties qui sont originales. On va voir le ceinturon, on va voir le brelage, il y a des choses comme ça qui sont d'époque, et puis il y a des choses, c'est de la reproduction. Ok, et les personnes, du coup, il n'en reste qu'une, oui. Mais cette personne a fait partie de l'association ? Oui, alors dans l'association, on est 25 personnes, donc c'est une association dont le siège social est à Guichainville et dont le président s'appelle Michel Ménager. Au sein de l'association, on a donc aussi bien des gens qui présentent du militaire, donc ce sont des militaires, soit ce sont des personnes qui présentent la vie civile durant la guerre. Donc aussi bien des femmes, des enfants que des hommes. Ok, très bien, merci, et au revoir. Merci à toi d'être venu nous voir à Montor, et puis en espérant que vous aurez plein de personnes sur YouTube qui vont te suivre, et puis très bientôt sur un autre camp. Merci, au revoir.